Donc Mayeul, bonjour. Bonjour. Alors félicitations pour avoir terminé premier de la première manche du championnat de France. Bon, ça s'est passé comment cette première journée? Bah, première journée assez concluante puisque nous avons trouvé les postes directement. Cendre, silure qui a duré 2 heures le combat aussi. Ouais, parce que t'as un petit bras. Effectivement, ça donne des avantages. Bon, alors avec le handicap là, vous en trouvez où là par rapport à la course pour le titre? Nous trouvons 3e ex-aequo avec les poulains, il me semble, voilà. Je crois. Donc aujourd'hui, c'est la gagne. Il va falloir tourner, faire exactement pareil, enfin on va essayer en tout cas. C'est l'objectif du jour en tout cas. Allez, on va dire le mot de Cambron. Donc aujourd'hui, dernier jour. Bah oui. Leader à la course au titre de champion de France. Hier, vous avez terminé 2e. 3e. 3e. Donc avec quota. C'est bon. Quota. Quelles espèces? Perche et cendre, principalement. Voilà. 303 perches. Donc aujourd'hui, vous vous trouvez au cumul du championnat plus la première manche, vous êtes les leaders. Donc l'équipe a marqué. C'est un peu ça. Bon. Et alors, aujourd'hui, motivé à fond, comme toujours. Déterminé. Ouais. Bon. Mais déterminé aussi. Voilà. On va essayer de faire mieux qu'hier encore. Alors, parle-nous de ta petite journée d'hier. Hier, on savait que ça va jouer avec Cendre. Effectivement, ça a été joué avec Cendre. Nous, notre équipe, c'est très difficile pour Cendre. On a essayé le matin, on a eu quelques touches, même non maillées. Et après, on ne pouvait pas faire plus. Donc du coup, comme il y avait beaucoup de soleil, j'ai dit peut-être c'est le dernier week-end avant l'hiver, le basse qui va bouffer quelque chose. Donc on a essayé, on a fait 4 maillets et total de non maillets, on a fait 15 de basses. Mais je savais que ce n'est pas suffisant pour être top même 5. Mais on a essayé tout ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, on sait que deuxième jour, on ne pêche plus black bass. Et on va essayer de concentrer que cendre. C'est pour ça mon bait casting, il est enfermé. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, merci à JN. Bonne journée. Ciao. Okay. Donc hier, ça s'est passé comment? Ça s'est passé qu'on a malheureusement pas pêché vraiment à l'endroit qu'il fallait. On a insisté sur des petits poissons, il aurait fallu qu'on change plus tôt, ouais. Et on a compris bien plus tard. Sur une date à cendre, quand on sait que c'est votre espèce de prédilection, que vous maîtrisez une grande partie des patterns de ce poisson-là. On est un peu déçus. Aujourd'hui, la pression va monter quand même. C'est clair qu'on est un peu déçus. Ben non, justement, vu qu'on n'a plus rien à jouer, c'est que de la pêche-plaisir. À jouer, que tout le monde se rappelle que la qualité de pêcheur de cendre... Si on peut essayer, oui, voilà. Mais bon, en essayant de ne pas trop se mettre la pression, ça serait bien justement qu'on le prenne non, la pression, plus fond, léger. La pression. Allez, bon courage, ciao. Merci, ciao. Hier, bon, c'est partagé la tâche, Damien pêchait plutôt brochet black bass, moi plutôt perche chambre. On fait un brochet, 3 cendres de perche, donc on fait le quota, on est assez content. Sauf que nos petits camarades en ont fait, certains en ont fait autant, ceux qui sont dans le haut du classement. Donc du coup on se retrouve 5e de la manche d'hier, 5e au général, à 3 points du premier. Donc, voilà. Donc aujourd'hui le but, on s'accroche. Faire un quota et un gros, mais ça va être dur. Woo-hoo!
people got my beam machines in a drawer.